Mesdames et messieurs, bienvenue au Club Millennium. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation en RDC, en République démocratique du Congo, un pays qui s'apprête à aller aux élections dans un contexte particulièrement difficile. Si on parle beaucoup des accords entre les protagonistes politiques et les candidats, on évoque très peu la situation dans l'est du pays et les victimes oubliées d'une dizaine d'années de conflits. Aujourd'hui, pour en parler, on a réuni un joli plateau. Monsieur Hubert Saupert, qui est réalisateur et qui a fait un film qui a beaucoup frappé les esprits, qui s'appelait « Loin du Rwanda ». Il est entre autres aussi le réalisateur du cauchemar de Darwin, qui est couvert de prix. À ma droite, un autre écrivain, un auteur à sensation, j'allais dire, qui a un livre, qui a plusieurs livres à son actif, en particulier le dernier, « Noir Fureur et Blanc Menteur », monsieur Pierre Péan. Ensuite, monsieur Stephen Smith, qui est journaliste, auteur aussi, qui a écrit plusieurs livres et qui est un spécialiste de l'Afrique et qui a également beaucoup couvert la région des Grands Lacs et le Rwanda, ancien journaliste au Monde. Monsieur Thierry Kialumba, qui est membre de l'association Urgence Congo-Zaïre, qui suit de plus près la situation donc, dans la région. Monsieur Helmut Stritzek, qui est un chercheur allemand et spécialisé aussi dans la région des Grands Lacs, et qui a fait pas mal de travaux sur le Rwanda en particulier et les événements de la dernière décennie. Monsieur Charles Onana, journaliste d'investigation, qui a écrit plusieurs livres, et le dernier étant La justice internationale. Les secrets de la justice internationale. Les secrets de la justice internationale. Et enfin, mon collaborateur, Rachid Ndiaye, qui co-présente un peu ce débat avec moi. Alors, le premier point que nous allons aborder est tout logiquement la genèse des violences. Comment est née cette situation en RDC, à l'est du pays? Selon Amnesty International, depuis 10 ans, les différents conflits ont causé plus de 4 millions de morts. 4 millions de morts. C'est le chiffre d'Amnesty, mais c'est aussi le chiffre de l'ONU. Donc, ce n'est pas un détail. C'est une situation particulièrement alarmante et préoccupante. Et je voudrais donner la parole pour commencer à M. Charles Onana. Charles, pourquoi il y a cette instabilité en Afrique, je veux dire, pas seulement dans la région des Grands Lacs, mais aujourd'hui, en RDC, une situation qui est une hypothèque lourde sur les élections à venir? Je crois qu'il y a deux éléments importants. Il y a un élément de géopolitique internationale qui est lié à la fois à la conquête des mines à l'est du Zaïre. Il y a également un élément de politique intérieure qui est celui du long règne du président Mobutu et du changement d'alliance à la fin du règne du président Mobutu entre les Américains et les Français. Et je pense que ces deux éléments clés sont les éléments majeurs à travers lesquels on peut mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la région des Grands Lacs, mais également à l'est du Zaïre. Mais pour revenir sur le premier élément, l'élément de géopolitique internationale, qui me paraît être celui qui précède l'élément de politique intérieure, parce qu'il faut dire que lorsque le président Mobutu était arrivé au pouvoir, c'était avec le soutien et l'aide des Américains, il y a de très nombreuses années, et surtout pendant toute la période du règne du président Mobutu, les Américains ont soutenu son régime sans tenir compte de la situation de politique intérieure, ni des droits de l'homme, ni du respect des élections ou de la démocratie. Et que finalement, lorsque les Américains se sont rendus compte que M. Mobutu était vieillissant, eh bien, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule en soutenant une rébellion ou ce qu'on appelle aujourd'hui des rebelles à l'est du Zaïre qui ont commencé leur combat au Rwanda et qui l'ont achevé au Zaïre. Et finalement, sur ce qui se passe à l'intérieur de la vie politique congolaise, témoigne aussi de la difficulté de beaucoup d'opposants politiques à Mobutu à penser à l'après-Mobutu. Tout le monde avait les yeux rivés sur le départ de Mobutu. Et lorsque ce départ est arrivé, eh bien, on a vu qu'une fois de plus,
Eh bien, celui qui a pris le pouvoir était M. Kabila, venu du Rwanda, soutenu par l'armée rwandaise et ougandaise, et que lorsqu'il s'est emparé du pouvoir, le même Kabila, qui était au départ présenté comme celui qui allait libérer le pays, comme le libérateur de la RDC, s'est retrouvé être l'ennemi juré, le plus grand dictateur que la RDC n'avait jamais connu à côté de Mobutu. Il a été assassiné sans qu'on fasse la lumière sur son assassinat. Et depuis cette époque-là, eh bien, on a eu un autre président qui lui aussi était dans les bagages de M. Kabila, qu'on présente comme son fils, mais qui était également un élément de l'armée patriotique rwandaise, enfin, ce qu'on appelait à l'époque l'AFDL, qui se retrouve aujourd'hui président de la République du Congo. Et on retrouve tout cela dans un imbroglio politico-économique total qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se fait, ce qui se déroule à l'est du Congo et plus précisément sur les massacres à l'intérieur du Congo ne peut pas se comprendre si on n'a pas en tête ces deux éléments importants. Ok, alors Helmut Schetzek, vous êtes d'accord avec cette analyse qui met quand même l'accent sur les implications J'aimerais ajouter un petit détail qu'on oublie souvent. Les Américains ont soutenu Mobutu jusqu'en mars 90. À ce moment-là, James Baker est arrivé avec le consensus de l'Ouest pour dire au roi M. Mobutu. Il a quitté le pouvoir, les Américains ont financé la conférence nationale et l'ère Mobutu était terminée. Et là, il y a un grand problème. À partir du 5 octobre 1993, la politique a changé. Et tout d'un coup, les États-Unis sont retirés. Ils ont commencé à favoriser la victoire de Kagame. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 5 octobre 1993? Le 5 octobre 1993, il y avait les événements à Mogadiscio. Quand on a vu sur l'écran les 18 soldats américains traînés par le sable. Et à ce moment-là, ils ont changé de politique. Clinton a décidé tout seul, on se retire de l'Afrique. Et le 5 octobre est la date précise quand Mme Albright est arrivée au Conseil de sécurité pour dire on ne respecte plus les accords d'Arusha. Et juste après l'élection de Étienne Tshisekedi, ça change. Il y a un changement de stratégie qui fait que ce gouvernement Clinton abandonne la démocratisation en Afrique. Mitterrand ne savait pas de ce qui se passe. Et ils n'ont plus fait cette concertation entre les Américains comme avant. Parce que c'était concerté quand James Baker est allé voir Mobutu pour lui dire « Roi ». Il y avait Herman Cohen comme témoin, donc c'est vrai. Et puis Tshisekedi m'a raconté aussi. Un mois après, il a été libéré et puis Mobutu a démissionné. Et puis tout était réglé, pour ainsi dire. Quand les Américains... Et puis ils avaient besoin de Mobutu encore. Parce qu'eux, ils savaient ce qui va se passer au Rwanda, parce qu'il y aura des réfugiés, parce qu'on avait encore besoin de lui. Et on se méfiait de Tshisekedi parce qu'on n'était pas sûr qu'il va collaborer dans cette stratégie qui visait le Soudan. Je crois ça aussi... C'est quand même très compliqué, en fait. C'est très compliqué, voilà, mais de toute façon... À un certain moment, les Américains ont abandonné le soutien au mouvement démocratique. Et puis, quand ils ont vu que Mobutu était sur le point de mourir et Tshisekedi serait élu, ils ont dit il faut faire quelque chose. Et là, ils ont inventé Kabila. Ah oui, alors, Monsieur Kialumba, vous êtes d'accord que, en fait, l'ex-Zaïre a fait les frais un peu d'une situation qui était pas seulement le dégel et la fin des deux blocs, comme on dit, mais aussi la situation globale, le Soudan, les visées américaines sur la région. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais je veux juste ajouter une chose, c'est que quand on parle de la donne Tshisekedi quand on implique la donne Tshisekedi dans la résolution de tout ce problème, on oublie de dire quand même qu'une chose, c'est que Tshisekedi, qu'on présente aujourd'hui comme un nationaliste, il n'est pas
aussi sain, comme on le dit. Il est aussi, quelque part, le fruit des Américains, quelque part. Donc, si on dit que les Américains ont eu peur de Tshisekedi, et c'est pour ça qu'ils ont inventé Kabila. Non, Kabila était... on n'a pas inventé Kabila. Kabila a toujours été... On est allé le tirer de son maquis pour peut-être servir une cause qui échappait déjà, que les Américains ont retiré aux Congolais et qu'ils avaient déjà confié ce rôle-là à l'Ouganda et au Rwanda. Ils ont confié ce rôle-là à ces deux pays qui ont tiré Kabila de sa tanière, si je peux dire ainsi, pour faire un paravent qu'il y a un Congolais à la tête de ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, le processus de transition qui avait commencé par la Convention nationale souveraine, avait déjà évolué, il y avait déjà une constitution qui était là. Et donc, si vous dites que bon, les Américains ont eu peur de Tshisekedi, je peux dire que c'est eux qui l'ont proposé comme alternative à M. Mobutu. Mais ce qui est sûr au moins, c'est que les Américains étaient extrêmement actifs à cette période, au moment de la transition. Stephen Smith, est-ce que ça correspond à votre propre vision, à votre expérience sur la question? Mais étant probablement le seul Américain ici, je voudrais d'abord réconcilier deux vues qui sont, d'une part, les Américains s'aperçoivent que Mobutu vieillit, c'est quand même un événement relativement prévisible, donc je pense qu'ils l'avaient prévu, et d'autre part, ils sont hyper actifs au point de décider un 5 octobre qu'on va changer de politique. Je pense qu'il faut un tout petit peu réconcilier les deux vues. D'une part, il faut tenir compte de la donne géopolitique générale. On a la fin de la guerre froide, 89. Donc, que les Américains commencent à reconsidérer leur alliance avec Mobutu, qui est à n'importe quel prix. Je rappelle le rapport Blumenthal, on savait très bien que c'était un homme archi-corrompu. On lui a donné plus d'aide après qu'auparavant. Donc, tant qu'on avait vraiment besoin de lui, c'était une politique. On a révisé cette politique après la chute du mur de Berlin. Les Français ont fait pareil. Il y avait une tentative de sortir Mobutu en 92 du pays à la faveur des premiers pillages. Très bien, donc il y a un repositionnement. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, la position d'Étienne Tshisekedi soit vraiment au milieu de toutes les planifications. Je crois qu'il y a donc une donne générale, que les Américains, effectivement, après le désastre de la Somalie, ont voulu trouver des relais en Afrique comme puissance régionale, qu'il y avait la position centrale de Museveni à cette époque-là. Il faut faire attention de ne pas relire l'histoire a posteriori et de donner un rôle au Rwanda qu'il n'avait à l'époque pas. Le Rwanda apparaissait comme le petit frère du Bismarck des Grands Lacs. Je cite ma consoeur Colette Brackmann. Je ne sais pas si depuis elle a peut-être... À quel moment ça a basculé alors? Oui. À quel moment on a réalisé que le Rwanda pouvait jouer un plus grand rôle, je dirais, pour encercler et régler, entre guillemets, le problème? Je pense qu'on n'a pas prévu tous les éléments et tous les événements. Et quand il y a eu une situation de désordre et que le principal intérêt américain qui était effectivement le Soudan, avec comme plaque tournante dans la région l'Ouganda, quand on a vu qu'il y avait un gros problème au Rwanda, puisqu'un génocide, le génocide des Tutsis n'est pas une petite affaire, à ce moment-là, le fait d'avoir déconsidéré une ethnie majoritaire, les Hutus, comme étant les génocidaires, et par la suite d'avoir en face un mouvement extrêmement structuré, et plus que structuré, celui de Paul Kagame, il y avait là une force d'ordre. Après, on peut en discuter, évidemment, sur l'évaluation. Mais Rachid, concrètement, donc on a ce magma aujourd'hui, je répète, 4 millions de morts, parce que les gens ne réalisent pas toujours, sur une dizaine d'années. On a eu quelques considérations quand même qui remontent, qui replacent tout ça dans un contexte plus large et assez complexe. Mais comment on peut résumer la situation aujourd'hui qui aboutit à, je dirais, à l'état que nous voyons aujourd'hui, à cette catastrophe en fait? Ben, peut-être qu'on va ajouter à la réflexion qu'il y a quand même eu le prolongement des crises internes dans les pays voisins qui sont quand même projetées sur le Congo, Kinshasa, l'ex-Zaïre, puis c'est quand même plusieurs guerres qui se déroulent en même temps. D'un côté, en Angola, après l'élection de 92, les Américains décident d'en finir avec Savimbi, qui a des troupes dont l'essentiel des troupes est non seulement une partie en Angola, l'autre partie sur le territoire congolais. De l'autre, au Burundi, après l'assassinat du président Dadaï en octobre 1993, donc le CNDD s'est déplacé dans la ville de Uvira. Et en 93 également... Le CNDD qui donne un mouvement burundais. Voilà, en 93 également, on est en plein accord d'Arusha, mais le mur de confiance n'existe plus entre en fait, le président Museveni et le président Habyarimana, puisque le gouvernement rwandais considère qu'en fait...
le FPR a prépositionné des forces importantes dans Kigali au-delà de ce que prévoyaient les accords. Et alors c'est ça qui me semble un peu paradoxal, parce que d'un côté, on considère que les Américains se retirent, mais en même temps, on se rend compte que toutes les guerres, tout le prolongement, la gestion de ces crises qui se projettent sur le Congo sont en même temps pilotées par les Américains, puisqu'on se rend compte quand même, après l'arrivée du président Kabila à la rupture de 1998, c'est la première fois que Kabila évoque les fameux accords de l'Émirat, qui ont quand même été... L'accord de l'Émirat, je rappelle, qui était censé définir un nouveau partage à la fois du territoire de ressources entre le Kabila et ses alliés rwandais. Alors donc, ce paradoxe, je ne sais pas comment on peut l'appréhender aujourd'hui, puisque c'est à la fois l'engagement et le retrait. Alors concrètement, qui est mort à l'est du Zaïre, dans le Kivu? D'abord, pourquoi là-bas? Pourquoi tous les problèmes ou bien la situation que vous décrivez se concentrent dans cette région? Et un peu, quelle est la typologie des victimes, Charles Onan? Je pensais que les Américains n'ont pas beaucoup réfléchi à le positionnement stratégique ou le rôle stratégique que pourrait jouer le Rwanda dans la région avec ou sans le départ de Mobutu et oublié quelques détails. Il se trouve tout simplement que lorsque Mobutu, pendant tout son règne, comme on l'a dit tout à l'heure, a régné pour les Américains, c'était le bras droit du soutien de la politique américaine contre le communisme en Afrique centrale. Et puis surtout, lorsque la position de Mobutu a commencé très largement à s'affaiblir à l'intérieur, il a fallu retrouver effectivement quelqu'un d'autre pour pouvoir le remplacer. C'est une donnée fondamentale dans les régimes politiques africains. Et je pense que considérer simplement les crises internes comme les éléments importants, c'est vrai que les crises internes sont importantes, mais la mainmise, l'emprise ou la dimension très importante des ingérences étrangères est une donnée fondamentale qui, de mon point de vue, est devenue aujourd'hui le béaba de la politique étrangère dans les pays africains. Et pour parler plus précisément des victimes, il faut dire que lorsque la crise rwandaise éclate, déjà, Rachid parlait de 1993 avec le coup d'État du président Ndadaye. Je constate qu'à ce moment-là, on est effectivement en plein accord d'Arusha. On demande que les Rwandais arrivent à s'entendre entre eux pour avoir un régime démocratique, notamment un passage du pouvoir du régime Habyarimana vers un gouvernement à base élargie. Ça crée énormément de problèmes. Il y a des Français qui sont impliqués dans ces négociations, il y a des Américains, beaucoup d'Américains d'ailleurs, qui sont des émissaires spéciaux pendant les accords d'Arusha, dont on ne voit vraiment pas le visage de façon explicite, mais avec, en suivant de très près, on constate qu'il y a pas mal d'officiers qui suivent ces événements. Mais lorsque le Burundi réussit à élire le premier président Hutu démocratiquement élu dans ce pays en 1993, et qu'il est assassiné dans des conditions tout à fait incompréhensibles, d'autant plus que M. Ndadaye avait réussi à avoir à la fois des Tutsis et des Hutus dans son parti, et qu'il a été élu par des Hutus et des Tutsis. Pour le Rwanda, à ce moment-là, qui est embourbé dans sa propre crise, il est inacceptable qu'il y ait une réussite de cette ampleur au Burundi. Parce que ça peut démontrer clairement que la vie commune entre Hutu et Tutsi est possible au Rwanda, c'est que l'armée patriotique rwandaise soutenue à cette époque-là par les Américains et les Ougandais est quelque chose d'inacceptable, parce que ça va modifier, si on laisse faire ça au Rwanda, au Burundi, au Rwanda, on va leur dire, mais comment vous ne pouvez pas réussir une cohabitation Tutsi-Hutu alors que le Burundi voisin est en train de le faire et a démontré que c'était possible. C'est une hypothèse ou vous avez des éléments sur la mort de Ndadaye que nous n'avons pas? C'est-à-dire, vous développez une hypothèse, si je comprends, les officiers américains sans visage et les Rwandais qui ne pouvaient pas supporter que le modèle burundais réussisse. Non, à partir de là, on ne me faites pas dire ce que j'ai dit. C'est pas exactement ce qu'il a dit. On a bien compris. On a bien compris deux choses. Kagame était à J'ai expliqué. Oui, d'accord. J'ai bien expliqué. Non, je ne parle pas d'une implication. Soit on spécule ou on a des informations, mais les deux à la fois, c'est... Monsieur, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai jamais dit que les Américains étaient impliqués dans l'attentat contre le président Ndadaye. Ce que j'ai dit, c'est que les Américains sont impliqués dans les négociations de paix à Arusha, en 1993. Ce qui n'est pas une nouvelle. D'accord, très bien. Mais quelle est la conclusion de ce que vous venez de dire? Bon, écoutez, laissez-moi... Marie-Roger m'a posé une question précise sur les victimes. J'ai voulu, pour parler de ces victimes, démontrer quel était le cheminement qui va aboutir aux victimes.
Si vous voulez faire un débat supplémentaire, dans les premières, les premières victimes, en fait, c'est à l'assassinat de, au moment de l'assassinat du président Ndadaye au Burundi. On va avoir beaucoup de Hutus et des Tutsis qui sont tués au Burundi après cet attentat. Et on va avoir une masse importante de réfugiés Hutus qui se déversent au Rwanda. Mais je pourrais dire que les premières victimes connues sont les Burundais. Mais les premières victimes non connues sont au Rwanda en 92, avec l'attaque dans le nord du Rwanda par l'armée patriotique rwandaise, zone dans laquelle aucun journaliste n'est autorisé à entrer. D'ailleurs, les membres de l'armée patriotique rwandaise que j'ai rencontrés à plusieurs occasions, qui étaient dans cette région, me disaient que les journalistes qui étaient autorisés à entrer dans cette zone étaient des journalistes qui étaient acquis à leur cause. Et je crois que Colette Brockmann, qui n'est pas réputée être contre l'OFPR, l'a d'ailleurs elle-même reconnu. Donc, on va avoir des premières victimes en 92. Qui sont des victimes rwandaises, et mais pas connues, mais des victimes burundaises, Hutus burundaises et Tutsis burundaises qui vont passer au Rwanda pour se réfugier, ce qui va créer une véritable psychose au Rwanda. Parce que les Rwandais vont se dire, mais voilà, on se doutait très bien que si il y a les négociations de paix à Arusha, et qu'on commence par assassiner le président élu du Burundi, il y a de fortes probabilités qu'au Rwanda, on puisse assassiner le président rwandais. Et c'est ce qui est arrivé en 1994. D'où les premiers crimes ou les premiers massacres qu'on va voir. Mais en même temps que tout cela va se dérouler, il va y avoir une montée assez progressive de Rwandais ou Tutsi dans l'est du Zaïre qui vont se retrouver dans la partie est du pays. Et c'est là-bas qu'on va encore voir une fois de plus, et là, je pense qu'il y a suffisamment de données aux États-Unis par rapport à cela, que les services de renseignement américains, à ce moment-là, avaient communiqué un certain nombre d'informations à l'armée patriotique rwandaise et sur la disposition des camps de réfugiés au Zaïre. Emma Bonino s'en est plaint, d'ailleurs, au sein de la Commission européenne. Les Européens ne l'ont pas suivi. Il y a un autre élément important, et c'est là que je crois que Hubert Sauper avait découvert, qu'après la fuite de tous ces réfugiés Hutus, qui sont arrivés aux Zaïre, parce qu'actuellement, à ce moment-là, on nous dit que seuls les Tutsis sont des victimes d'un génocide au Rwanda. On ne parle surtout pas de Hutus. Alors, on retrouve que tous ces Hutus qui sont réfugiés à l'est du Zaïre vont être victimes de bombardements dans les camps de réfugiés. C'est ça. Mieux que ça, beaucoup de ces Hutus vont se disperser sur le territoire zaïrois et beaucoup vont être assassinés par l'armée patriotique rwandaise dans ce pays. Et là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment de preuves. Il y a des rapports de l'ONU et il y a même eu des condamnations de l'ONU. Mais là, je voudrais faire appel à Hubert Sauper, qui a fait un film, je crois, au moment où cette tragédie n'avait pas de visage, qui s'est trouvé là-bas et qui a filmé un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film et de votre expérience là-bas, de ce que vous avez vécu à cette époque? Et ça, il faut le dire, c'est au moment, le reflux après 94, 95, quand les réfugiés, enfin les Rwandais quittaient massivement le pays et se réfugiaient à l'est du Zaïre, qu'on appelle Zaïre par commodité, mais aujourd'hui RDC. Bon, on est en train de faire une grande analyse politique. Moi, je ne suis pas journaliste ni politicien, mais réalisateur moi, je suis réalisateur de film et j'étais témoin d'une chose que je n'avais pas cherchée. D'abord, il faut que j'explique un peu le contexte de ce film, loin du Rwanda, qui n'est pas encore très connu. Ce qui est connu maintenant, c'est mon dernier film, Le cauchemar de Darwin. Mais qui était une suite d'une certaine manière, parce que ça traite aussi commerce d'armes dans la région, etc. Loin du Rwanda, c'est un film qui s'est passé malgré moi. Et je voulais faire un film sur des réfugiés à l'est du Congo. Je suis allé avec des avions de l'ONU qui transportaient de l'aide humanitaire à partir de la Tanzanie, Mwanza justement, jusqu'à Kisangani. C'était le moment précis où les rebelles de Kabila arrivaient à Kisangani. Et du coup, j'étais soi-disant coincé dans cette ville, je ne pouvais plus sortir. C'est le titre anglais d'ailleurs, Living Kisangani. Voilà. Ouais. Loin du Rwanda en français. Et puis, comme j'étais considéré comme journaliste, comme tout le monde, j'ai dit oui, je suis pas envoyé par un journal ni par une télé, mais je suis là, j'ai des yeux et je peux voir. Donc j'ai fait un film
sur ce que je pouvais faire, c'était donc témoigner la situation. Donc, la situation était telle que le petit bureau de l'ONU sur place disait on va mettre en route un petit train pour voir où sont, soi-disant, les réfugiés Hutus perdus dans la forêt. Et on nous disait, il y a quelques, en anglais, some pockets, quelques pochettes, mm-hmm. de quelques centaines de réfugiés ou tout. Ce qu'on a trouvé au bout de 3 ou 4 jours, mm-hmm. c'était 100 000 personnes, 100 000 personnes, un bout de force, qui étaient des espèces de morts vivants. Ça ressemble vraiment aux images d'Auschwitz, honnêtement. Et j'ai fait ce que je pouvais, c'est que j'ai filmé avec ma main tremblante, vraiment, ces images. C'est devenu un film, donc, loin du Rwanda. Mais le film n'essaye à aucun moment de faire une telle analyse. Comme c'est semble. Fin 96, début 97. C'est début 97, c'était en mars 97, jusqu'en avril. Et c'était l'arrivée de 100 000 Hutus aux portes de Kisangani, et ils étaient bloqués par l'armée de Kabila, justement. À Tingi Tingi. Entre Tingi Tingi et Ubundu et Kisangani. Bon, ils étaient à 7 km de Kisangani, ils étaient forcés de repartir dans la jungle. C'était des enfants, des femmes, des gens à quatre pattes, vraiment, qui ne veulent pas. Ils étaient forcés par l'armée de Kabila de repartir plus loin de la ville, pour prétexte de sécurité pour la ville. Et l'ONU jouait le jeu parce qu'ils n'avaient pas de mandat, pas de casque bleu. C'était un petit bureau avec 4 ou 5 employés de l'ONU. Ils étaient complètement influencés, complètement sous la force de l'AFDL qui venait d'arriver. Mm-hmm. Et l'ONU a demandé, vraiment a prié, est-ce qu'on peut constituer deux grands camps de réfugiés, parce que les gens étaient un peu partout dans la forêt, en gros, tu vois. Mm-hmm. Mais ils étaient un peu alignés au long d'un chemin de fer, c'est celui entre Ubundu et Kisangani, parce que là, on peut mieux marcher, c'était un ancien chemin de fer. C'était accordé. Moi, j'étais toujours sur ces petites commissions, à voir où sont les réfugiés, les trouver. On a trouvé 10 000 ici, 5 000 là, c'était 100 000. Mm-hmm. Au bout de deux semaines, c'était exactement à Pâques 97, au bout de deux semaines, il y avait deux camps cassés, et on appelait ça kilomètre 82, c'était le kilomètre du chemin de fer. Mm-hmm. Et une fois ces camps étaient... En gros, l'ONU était là, elle a dit, venez tous ici, on a de la bouffe. Les gens sortaient de la jungle. Mm-hmm. Ils se sont ramassés, ils se sont dit, il y a des blancs, il y a des docteurs, il y a des médecins sans frontières. Il y avait Oxfam qui était là, et quelques reporters. D'ailleurs, Florence Aubenas était là aussi sur ce train, oui. qui a écrit un papier dessus qui est très pertinent. Et en ce moment-là, les gens étaient... disponibles pour être attaqués en grande masse. Voilà. On les a fait justement. Sortir un peu de leur cachette. On ne peut pas dire que c'était de la faute de l'ONU qui sont venus, mais c'est l'ONU indirectement a préparé, c'est terrible de dire ça, mais a préparé le terrain, que les gens étaient pas sans défense, et en deux camps avec 50 et 40 et 50 000, je pense, de personnes. Et là, le 1er avril, je pense, la nuit du 22 avril, ils étaient de nouveau bombardés dans les camps et mitraillés en pleine nuit. Et le 23 avril le matin, je pense, si je ne me trompe pas, les dates, ne me mettez pas sur le doigt dessus. Moi, en ce moment-là, j'étais arrêté à l'aéroport de Kisangani. On m'a accusé d'être espion et j'avais la malaria. Donc moi, j'étais hors circulation.